Salut à tous, c'est Linox et aujourd'hui je vais vous montrer un jeu assez sympa qui s'appelle le McDonald's Video Game. Donc je sais pas, c'est un jeu de gestion, je trouve ça vraiment bien. Donc je voulais le partager avec vous. Moi je l'ai téléchargé, mais le mieux, enfin on peut aussi jouer sur internet. Donc on va y aller par internet. Donc Google, voilà. Alors, là, vous tapez McDo Video Game. Voilà. Donc là, vous avez McDonald's Video Game. Vous cliquez. Je pense que je vous mettrai le lien. Je verrai. Donc, ensuite, vous faites Play. C'est pas un jeu qui se finit comme ça, hein. C'est pas si simple. Donc, voilà. Nouvelle partie. Donc moi dès le début je m'en pose pour éviter de perdre mes 50 000. J'ai jamais réussi à aller loin dans ce jeu là. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se joue. Donc déjà vous pouvez mettre des vaches, soit des vaches, soit un champ. Donc les champs servent à faire de la, comment dire, de la nourriture pour les vaches, et les vaches sont prises ici pour aller là. Et donc cette machine prend les vaches et les broie pour en faire des steaks hachés qui servent ensuite à faire des hamburgers. Donc en disant ça, faut aussi que je recrute deux personnes. Donc une personne pour préparer les hamburgers. Voilà, donc elle on la voit pas, mais là vous pouvez voir que elle y est. Donc là vous pouvez soit discipliner l'employé, donc l'engueuler pour qu'il travaille mieux. Ça marche pas toujours. Ou alors le féliciter. Donc ensuite je vais mettre un autre personnage. Donc c'est celui qui vend en fait les hamburgers. Voilà. Donc là pareil, vous pouvez soit le discipliner, donc l'engueuler, ou le féliciter. Donc ensuite ici il y a alors là c'est surtout pour attirer les clients. Donc Mickey for Kid, j'ai jamais bien compris, mais c'est pour que je sais plus. Enfin bref, ça c'est pour que les enfants aiment Mickey. Donc ça fait plus de clients. Ça c'est Mickey le tiers-monde. Donc en fait ça fait que Mickey est dans... Enfin, des personnes de toute nationalité viennent dans votre restaurant. Donc celui-là, le marketing est la clé du succès. Conclure des partenariats avec les plus grandes industries de divertissement. Ouais. Donc... Par exemple, ça c'est pour mettre être sponsorisé en fait, ou sponsorisé, je sais pas trop. Donc en fait, par exemple, que dans un dessin animé, ils mettent un burger de chez McDonald's ou des choses comme ça. Donc ça aussi, ça fait plus de clients. Et la pyramide alimentaire, c'est pour avoir un régime équilibré chez McDonald's, une bonne santé, etc. Donc ça apporte aussi des clients. Alors moi, dès le début, je mets Mickey le tiers-monde. Que je trouve que c'est le plus important. Ensuite, là, vous pouvez voir comment vont vos ventes. Donc, en regardant comme ça, depuis 2000, ben, on est toujours en 2000, donc il n'y a rien qui a changé. Je vous montrerai au cours du jeu. Ensuite, là, vous avez corrompre un politicien. Voilà. Donc, alors ça, c'est... Ouais, voilà. C'est... pour quand il se il me semble que c'est pour quand il se mobilise pour faire je sais plus quoi pour contre McDonald's ou je sais plus quoi. Ensuite le climatologue, c'est pour je crois que les oui c'est pour que quand vous détruisez par exemple de la forêt pour mettre un des deux ou le camp par exemple pour qu'ils arrêtent de vous gueuler dessus ou qu'ils vous gueulent moins. Parce qu'en fait, il y a des
protecteur de la nature, on va dire, qui protège ces zones-là. Donc il vous engueule à chaque fois. Ça peut vous faire perdre par des amendes, etc. Donc ça, c'est pour éviter un peu. Le fonctionnaire de la santé publique, c'est écrit en bas. Voilà. Fonctionnaire de la santé publique, c'est pour... alors... Ouais. Donc c'est pour, par exemple, quand ils vous disent que vous rendez les gens malades, etc. Parce que vous pouvez ajouter, par exemple, là-dedans, des déchets industriels au fourrage, donc à la nourriture des vaches, et des hormones qui peuvent aussi rendre malade. Et ici, de la farine animale dans le fourrage. Donc c'est pour fabriquer plus vite et faire plus de fourrage, donc de nourriture pour les vaches plus vite, etc. Et en autre sorte d'empoisonnement, il y a aussi pour les, comment dire, les champs. Donc du soja génétiquement modifié. Donc ça fait aussi plus de pro... Enfin, non, il me semble que ça fait pousser plus vite. Et là, vous pouvez corrompre le maire de São José. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Mais j'irai voir sur internet. Hein. Voilà. Ici, ah oui, on a aussi oublié le nutritionniste. Ça, c'est un peu pareil, c'est aussi pour la nourriture. Donc pour qu'il arrête de dire qu'on rend les gens malades, etc. Ici, donc ça, c'est pour voir si vous baissez ou pas par rapport à l'année dernière. Là, pour le mécontentement. Donc les écologistes qui font la gueule à cause des forêts que j'ai anéanties. L'association des consommateurs, c'est pour, je crois, la santé, s'ils sont malades ou pas, les clients. Le syndicat, je sais pas. L'association de défense des mouvements altermondialistes. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Oh, je sais pas. Enfin bref. Et voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le budget du mois dernier. Budget non disponible, voilà. Donc, ça, c'est pour savoir ce que vous avez dépensé. Ce que vous avez mis dans les champs, etc. Donc, moi, je vais mettre un peu plus de champs. Parce que c'était mon principal problème. Voilà. Donc là, je suis arrivé à moins 5 000. À partir de moins 30 000, vous risquez dans les 10 secondes qui viennent de perdre. Donc, moi au début, je mets du soja génétiquement modifié. Donc, je suis toujours en pause pour éviter de perdre de l'argent. Sinon, vous en perdez. Là, je mets les deux et là, ça. En fait, au début, je mets de ça. Et au fur et à mesure que j'ai plus de champs, bah, j'en enlève. Et à la fin, bah, il n'y a plus rien. Voilà. Donc je peux commencer. Voilà, donc au début je mets pas trop de mecs parce que sinon ça se vend trop vite. Et ensuite on n'a plus assez de vaches. Donc voilà, j'attends un peu pour les vaches. Je vais quand même surveiller mon budget, enfin l'argent que j'ai en bas. Voilà, de nouveau hamburger. Ici il faut surveiller si vous en fait, si vous ne faites plus de hamburger, et ben ça va descendre, descendre, descendre. Et une fois arrivé là, et ben tout va être bloqué. Il n'y aura plus de vente, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, voilà. Donc maintenant que ces vaches ont un peu grandi, je vais rajouter 3 troupeaux. Et en mettre 3 à chaque fois. Donc là, ils viennent de me dire que les gens étaient malades. Va falloir que je réduise. Ou. Que je fasse la pyramide alimentaire, ça fait plus de clients et en même temps ça empêche qu'ils nous engueulent. Voilà. Donc voilà, je commence à avoir un peu plus de vaches. Je vais mettre plus de monde ici. Voilà. Donc là, ouais, j'ai un peu de mal. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était assez dur. Voilà, là j'arrive à redescendre. Là, je suis plein. Nickel. Voilà. J'ai plein de vaches. C'est nickel. Et je vais remettre
du monde en vache. Donc je vais voir ce que j'ai dépensé là. Alors, recette 6600, dépense 5360. Wow, j'ai chuté à moins 22 000. J'ai un peu de mal. Ok. Star des employés 2400. Donc voilà, c'est à cause de ça que tout baisse. J'ai plus de steak. Ah non, c'est bon, ça revient. Nickel. Maintenant, il faut qu'ils prennent des vaches. Voilà, nickel. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, j'ai assez comment ça s'appelle? De fourrage. C'est peut-être bien la première fois que je vais réussir ce jeu. Je sais pas. En tout cas, faudrait que je remonte. La citerne est pleine. C'est pas de ma faute, hein. Ok, donc pour les champs, c'est bon. Et voilà, donc c'est ça le jeu, c'est, je trouve ça pas mal, hein. Surtout que ça apprend à gérer un peu. Donc voilà. Oui, j'ai reçu une amende encore une fois. Je vais réduire ça. J'en ai plus besoin. Voilà. Et donc bah voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Si vous avez aimé, et bah mettez un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge. Pour m'aider à améliorer mes vidéos, un commentaire, si vous voulez. Et si vous voulez, vous abonner aussi. En ce moment, je vais faire un peu plus de vidéos sur, je pense, plutôt des jeux flash, etc. Comme ce type de jeu. Donc voilà. Bah, je vous dis à plus, hein. C'était Diginox. À plus.